Je vois un poisson, ils ont levé ses yeux, ils ont mangé en sorcellerie. Demandez au papa là s'il a un problème à ses yeux. Tu as un problème aux yeux? J'ai un problème, ça fait 5 mois. Ça fait 5 mois, tu ne vois plus correctement. Oui. Lève-toi bien. Ce monsieur que vous voyez, les yeux bien écarquillés en chemise de pagne, est malheureusement atteint d'une cécité d'ordre mystique. Prophète Dolski révèle avec précision et détail l'origine du mal dont est victime ce pauvre monsieur. Il vient d'un pays, mais il a été adopté encore de voir ici. Me montre Dieu. Un diafoué là, c'est un agni. Vous pouvez s'en baouler. Baoulé aussi. C'est baoulé. Oui. Non. Oh, je ne suis pas chez les baoulés. Je vois un homme du nom de Koku. Je vois Koku et puis j'entends le nom là. Demande-lui qui est Koku. Qui est Koku, papa? Bon, Koku, c'est chez nous. Oui, c'est quelqu'un qui est derrière vous, je le vois. Bénéfice, est-ce qu'il vient du Togo? Papa, est-ce que vous venez du Togo? Je suis togolais. Papa, il confirme qu'il est togolais. Est-ce que... Les gens parlent. Les gens sont en train de parler. Adjan, Aladjan. Adja. Adja. C'est ça, ils sont en train de parler. C'est Adja, on parle. C'est ton ethnie? C'est mon ethnie qui est Adja là. Mais ils sont en train de parler. Il y a un poisson à sorcellerie qu'ils ont pêché dans une eau derrière ton village là-bas. Et puis, l'arrêt de poisson en sorcellerie, ils t'ont fait manger. Puis, c'est l'arrêt de poisson qui est allé jusqu'à. Ça a piqué tes intestins et ça a perforé ton foie. Donc, en ce moment-là, où je vois là, il ne voit plus bien clair. Ça agit sur mes yeux. Mais pourtant, moi, je vois le foie qui est détruit. Et quand il allait à l'hôpital, on lui a dit que c'est son foie qui est atteint. Mais il est guéri ce dimanche au nom de Jésus. Amen. Le prophète donne de l'eau aux malades papa, pour qu'ils boivent. Papa, il faut boire, ça va aller faire tomber les arrêts là. Papa, ce soir, vous allez aller au WC, vous allez faire les selles. Vous allez faire les selles et c'est les arrêts qui vont sortir. Ensuite, comme les apôtres dans la Bible, il appliqua un linge sur les yeux. Yes. Vous êtes guéri. Monsieur. Amen. Vous êtes guéri. Amen. Ouvrez les yeux, regardez ma paume. Regardez très bien. Le miracle a commencé. Fermez les yeux. Yes. Fermez les yeux. Ouvrez les yeux maintenant. Vous regardez maintenant. Vous voyez, commencez à voir ma main. Si quelqu'un a des problèmes, Dieu ne voit plus clair, que cette personne vienne. Viens comme ça. Viens. Lave le visage. Mets la main. Lave le visage. Laisse encore. Lave le visage. S'il y a un fond, il faut boire. Jésus guérit tout. Amen. Jésus guérit tout. Acclamez fortement le Seigneur Jésus. Voilà, c'est yes. Il est guéri. Dieu me dit de te dire de prendre cette pochette. Dors avec ça. Mets comme ça. Va refaire ton examen, tu es guéri. Amen. C'est pour toi. Mais parce que tu es guéri, viens et prends. Fais le premier. Suis ça. Suis. Suis ça. Suis. 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 Ma mère est là, elle peut vous témoigner que chez nous, c'est les yeux qui sont beaucoup attaqués. Donc moi-même que vous voyez là, mes yeux ont été plusieurs fois attaqués. C'est-à-dire de façon génétique, j'avais des problèmes d'yeux. Elle-même m'a demandé hier ou avant-hier, pourquoi toi tu ne portes pas des lunettes parce que tout le monde dans la famille en porte. Et oh, je vous ai déjà rendu le témoignage. En plus de ça, une clé a été enfoncée dans mes yeux, je ne voyais plus d'un œil. Mais aujourd'hui, tout va bien. Et comme Jésus m'a déjà guéri, il peut vous guérir. C'est fait. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Allez-y. Amen. Allez-y, ils vont vous poser des questions. Prophète, est-ce qu'il y a nouvelles? Daddy, il y a de très bonnes nouvelles. Ah bon? Oui. Anouma, Magro. Yeah.
Tout à l'heure, j'étais avec le papa et il lui a été demandé de lire. Ah bon? Au départ, c'était un peu compliqué. Oh. Et il a dû essuyer deux ou trois fois son visage avec la pochette qu'il a reçue de vous. Et là, il lit. Tu dis est vrai. Mais qui lise maintenant? Papa, je vais vous faire la démonstration. C'est Matthieu, chapitre 20. Aïe! Il dit le chapitre, tout ça. Le verset. Tu vas lire. Ah, oui. Sérieusement, il va lire. Oui. Jésus est Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Deux aveugles guéris à Jéricho. Deux aveugles guéris à Jéricho. Et puis il lit lui-même son histoire. Prophète là, tu es méchant. Vas-y, allez-y. Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, hey! Cabrazadé. Une grande foule suivit Jésus. Hein? Et voici. Deux aveugles assis au rein du chemin. Elles sont prêtes à le fortement le Seigneur Jésus. Donne une offrande d'acclamation à Jésus. Toi et moi, le temps est imparti, mais tous ceux que j'ai touchés, ma prière que tous ceux-là rendent témoignage. Au nom de Jésus. Daddy. Amen. Il y a quelque chose que vraiment je voudrais préciser. Vas-y, prophète. C'est que tout à l'heure, au départ, il n'arrivait qu'à lire les grands titres. Wow. Voilà, parce que dans la c'est Bible, vrai? Les grands titres sont en grand caractère. Oui, c'est vrai, les grands titres. Oui, c'est vrai, le chapitre est gros. Et le ce chapitre. Que je viens de constater, c'est que là, il a lu le test. Même. Donc, ce qui veut dire quoi? Quand vous étiez là-bas, en train de vérifier le miracle, il lisait que les grands titres. Et maintenant, là, il a lu le progression corps. Au fur et à mesure. C'est ça. Il n'arrivait pas à lire avant. C'est ça. Et il a fallu qu'il ait su longtemps le visage, deux ou trois fois. C'est ça. Donc, est-ce que tu confirmes qu'il n'arrivait pas à lire quand il partait s'asseoir? Il n'arrivait pas à lire. Il ne voyait pas. Est-ce qu'il peut confirmer? Confirmer. C'est-à-dire, ça fait 5 mois que je vois fou. 5 mois que vous n'arrivez pas à lire la Bible, ni rien. C'était un calvaire, papa. C'était un calvaire, papa. Et aujourd'hui, vous avez lu l'histoire des aveugles qui sont guéris. Je veux que tu donnes une acclamation à Jésus. Yes. Daddy, il y a une nouvelle. Prophète. Daddy. Il y a quoi encore? Il y a bonne nouvelle encore. Daddy, la maman que nous voyons là a été opérée d'un œil. Wow. Parce qu'elle avait de sérieux problèmes de vue. Elle ne voyait pas. Elle est accompagnée par sa fille. Par sa fille. Elle confirme qu'elle a été opérée d'un œil. Oui, d'un œil. L'œil droit. Elle a été opérée de l'œil droit. Alors, elle arrivait donc à voir avec l'œil droit, mais l'œil gauche ne voyait pas. Et wow. Ils étaient en train de préparer encore une nouvelle opération pour l'œil gauche. Jesus! Parle-moi! Mais ce qu'elle a fait tout à l'heure, nous lui avons demandé de fermer l'œil qui voit, c'est-à-dire l'œil droit qui a été opéré, et de se débrouiller avec l'œil qui est censé ne pas voir. Ok. Et nous avons été agréablement surpris. Et comment vous faites pour vérifier ça? Maman? Ok.
Là, elle vient de fermer l'œil opéré. Et cet œil n'est pas censé voir. Donc, l'autre œil malade, ok, ne voyait pas ailleurs. Nous allons lui demander si elle voit. Bon, attrapez ce que vous voyez maintenant avec l'œil, maman. Suivez ça. Aïe, 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 aïe. Est-ce que tu es sûr? Tu es sûr? Je suis sûr de ce que je suis en train de voir. Je ne rêve pas. C'est la réalité. Elle est en train de voir avec l'œil qui était malade. C'est ça. Dis-lui que ton cadeau, parce qu'on ne va pas opérer l'autre œil. Amen. Le Jésus qui l'a guéri me dit de lui dire que c'est fait. Maman, fait. Donc, maman, là, vous me voyez. Venez traduire. Ah bon? Qui est? Elle peut venir me toucher. Dis-lui de venir me toucher. Ah. Ah. Yes. Elle m'a touché. Tu n'es pas encore venu rendre témoignage. Ça veut dire que tu vas rendre témoignage. Amen. Je crois que Jésus va faire. Je croyais que mon Jésus. Amen. Va faire. Bon, soyez bénis. Bon, là, il venait, on a attrapé sa main pour venir. Bon, il n'a qu'à marcher, s'il est vraiment guéri, il n'a qu'à aller à sa place. Allez à votre place. Allez à votre place. On acclame fortement le Seigneur Jésus.